Bonjour à tous, bonjour à toutes. Floriane, bienvenue dans ce petit cours de 30 minutes de yoga, stretch et renforcement musculaire, mais en profondeur bien sûr, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc travailler aujourd'hui une petite séance cocooning, tout en étirement grâce à un élastique si vous avez ça chez vous ou une sangle de yoga. Et si vous n'avez pas, vous récupérez une grande serviette ou un grand foulard, ça fera très bien l'affaire. On a aussi besoin d'un tapis et d'une serviette. Et voilà, c'est tout. On me suit? Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, vous allez laisser de côté votre élastique et votre serviette et venir vous placer, voilà, les pieds largeur des épaules. On ferme les yeux pour se concentrer quelques instants sur soi. On essaye de bien ancrer ses pieds dans le sol, totalement, talons, pointe de pied. Voilà, on cherche à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et à prendre conscience tranquillement de toute cette zone du centre. On l'active du coup en creusant le ventre, en aspirant le nombril vers la colonne un peu plus, et on active cet effet corset, cet effet de gaine, cet effet de ceinture autour de notre taille. Et tranquillement, on va bouger les doigts, on va réveiller un petit peu les articulations, les poignets. Faites, voilà, des tours dans un sens, puis changez de sens, soufflez bien. Puis enroulez les épaules dans un sens, vers l'arrière d'abord, inspirez, expirez, poussez le bout des doigts vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond encore, inspirez, grand cercle d'épaules, continuez d'aspirer votre nombril vers la colonne vertébrale, encore inspirez, enroulez, expirez, bout des doigts vers le sol, et le dernier, inspirez, très bien, on va ensuite changer de sens, vers l'avant, on inspire, et on expire, on pousse le bout des doigts vers le sol, encore inspirez, expirez, bout de doigts vers le sol et encore pour deux. Allez, sans crisper les trapèzes et sans crisper les épaules et la nuque. On y va de manière très très lente et soufflez. Ok, tirez. Continuez de pousser le bout des doigts vers le sol et puis inclinez la tête à droite. Inspirez. Expirez, inclinez la tête à gauche. Et encore inspire. Expire. Oui, et une fois de chaque côté encore. Et relâchez. Ok. On reste les pieds parallèles, je me mets juste de profil pour que vous puissiez voir un petit peu donc, le travail d'étirement en pince en position debout. On enroule bien d'abord le sommet du crâne, on continue de bien aspirer le nombril vers la colonne. Et puis on enroule le reste de sa colonne, on fait glisser comme ça les mains le long des cuisses. Puis le long des genoux, puis le long des tibias. On continue d'aspirer le nombril vers la colonne, on continue de chercher l'étirement derrière les jambes. Et on va simplement laisser le corps se balancer un peu à droite, puis un peu à gauche. Soufflez bien. Détendez les épaules, détendez la tête. Pliez les genoux sur l'inspire et sur l'expiration, retendez les jambes en poussant le coccyx vers le plafond. Et cherchez à rapprocher un petit peu plus votre poitrine en direction des cuisses et vous pouvez vous aider de vos mains. Inspirez, pliez légèrement les genoux, rapprochez les cuisses vers la poitrine. Expirez, éloignez de nouveau les cuisses vers la poitrine et puis ensuite aidez-vous pour rapprocher votre poitrine vers vos cuisses. Dernière fois, inspirez, décrispez les épaules, éloignez les épaules des oreilles, la tête vous la laissez complètement s'allonger vers le sol. Pliez vos genoux, inspirez. Et expirez, les épaules sont bien vers l'arrière, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Je contrôle bien ce déroulé et je viens me replacer du coup le long de mon mur imaginaire. Et nous allons nous asseoir à l'avant du tapis. Alors, de profil, le dos doit rester très droit. Donc si vous avez besoin, j'ai entendu, de garder un dos droit, moi je vous conseille de vous placer assis ou assise sur un coussin ou une brique de yoga, histoire de vous surélever un petit peu.
Sinon, voilà, on essaye d'ouvrir les jambes le plus possible et de chercher dans un premier temps l'étirement ici sur l'intérieur des cuisses. Ensuite, on récupère sa sangle ou sa serviette et on viendra la placer derrière le pied, comme ceci. Ouais, derrière le pied, comme ceci. Pointe de pied flex, on inspire et puis on va faire une petite rotation du buste vers la jambe qui est à l'intérieur de l'élastique et on incline son buste vers la jambe. Pointe de pied flex, on cède donc de l'élastique sans avoir les épaules qui montent, on garde bien les épaules éloignées des oreilles et vous cherchez à rapprocher votre poitrine en direction de la cuisse pour chercher l'étirement non seulement sur l'intérieur de la cuisse ici, mais également à l'arrière de la cuisse. Allez, je souffle bien. Et j'inspire, je me redresse. Alors, je reste gainée quand je me redresse. Expirez, à incliner de nouveau. Le nombril est toujours aspiré vers la colonne. Les épaules sont vers l'arrière. Point de pied flex. Inspirez, déroulez votre colonne. Soufflez bien, grandissez-vous. Expirez et inclinez. Déroulez la colonne et venez placer ensuite, hop, votre élastique de l'autre côté. Pareil, le dos droit, vous faites une légère rotation du buste. On va chercher le travail dans ses obliques puisqu'on aspire bien le nombril. Et encore, inspirez, les épaules sont vers l'arrière. Expirez et inclinez le buste vers l'avant, les épaules bien vers l'arrière. Soufflez bien. Inspirez, redressez-vous, nombril toujours à aspirer. Dos droit, expirez, inclinez de nouveau, allez chercher un tout petit peu plus loin, toujours avec cette pointe de pied hein, bien flex, la pointe de pied vous regarde, et soufflez bien. Et inspirez, déroulez votre colonne, expirez, les épaules bien vers l'arrière, le buste en direction des cuisses, enlevez votre élastique et déroulez votre colonne. On se replace donc le dos droit. Là, je vous invite à resserrer ici vos jambes en diamant. Vous laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et vous allez poser ici vos mains sur vos genoux. On va se concentrer ici sur l'autograndissement. Le dos est bien droit, comme si vous étiez adossé à un mur. La tête est bien droite. Les épaules, vous les relâchez, le nombril. Voilà, vous cherchez à l'aspirer vers la colonne. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux visualiser et mieux ressentir les sensations. Les paumes de main sur les genoux, inspirez. Puis à l'expiration, vous allez presser vos genoux en direction du sol. Et en même temps qu'on expire, on aspirera le nombril très fort vers la colonne. Inspirez sans relâcher le ventre. On laisse juste les côtes s'ouvrir. Expirez. Continuez de presser aux genoux en direction du sol. Le nombril est aspiré, on cherche la sensation dans les abdos. Ça, c'est très important. C'est très localisé au niveau des abdos. Inspirez. Et grâce à l'opposition que vous exercez en cherchant à ouvrir vos genoux un petit peu plus, vous devez sentir les bras qui s'activent, mais attention à ne pas avoir les épaules qui montent. Donc, on a toujours la connexion des omoplates qui fixe nos épaules ici. Et cette opposition qu'on crée en poussant nos genoux vers le sol, on la retrouve normalement dans le centre, beaucoup plus si vous activez votre centre volontairement en aspirant le nombril vers la colonne. Donc, avec toutes ces consignes, on est parti pour 3 respirations et on se concentre bien sur ces sensations. Allez, inspirez, gardez le dos droit, expirez, aspirez votre nombril vers la colonne. Lâchez pas votre ventre, inspire de nouveau. Expirez. Aspirez votre ventre. Et dernière fois, inspirez. Cherchez à resserrer ce corset autour de votre taille un peu plus. Expirez. Et relâchez. Ok, relâchez vers l'avant. Laissez le buste s'enrouler vers l'avant. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Et déroulez votre colonne. Je vous invite ensuite à venir vous placer. Donc, à l'avant de votre tapis. Le dos bien droit. Pour l'instant, vous allez laisser votre élastique à côté de vous. Pliez les jambes. Vous avez les mains derrière les cuisses.
On se grandit en poussant sur ses ischions. Et là, on va inspirer en montant les bras vers le plafond. À l'expiration, rétroversez votre bassin de manière à dérouler votre colonne tout doucement. Et on s'arrête au niveau du sacrum. On reste ici, on inspire et sur l'expiration, on tend une jambe. Enfin, on ramène la jambe en chaise renversée et si on peut, on la tend. On inspire, on replie, on repose avec contrôle. Inspirez, expirez. Inspirez, reposez, souffle. Encore inspire, expirez, inspirez, repliez. Dernière fois pour équilibrer, inspirez, expirez, inspirez, expirez, reposez. Reste ici, inspire, ne lâche pas le ventre, expire, grandissez-vous. Laissez les genoux regarder s'ouvrir comme ceci vers l'extérieur et remontez avec contrôle. Ok. On récupère l'élastique. Tendez vos jambes. Inspire. Élastique droit devant vous, face à la poitrine. Vous tirez l'élastique de chaque côté. Vous ancrez bien, vous connectez bien vos omoplates. Et à l'expiration, rétroversez votre bassin. Contrôlez. Soufflez bien et déroulez vertèbre après vertèbre. Et une fois qu'on est allongé, on ramènera la jambe droite en chaise renversée. Et là, regardez, je vous invite à placer votre élastique ou votre sangle derrière votre pied droit. Allongez votre jambe droite vers l'avant, vers le plafond. Si vous avez besoin, c'est simple, vous pouvez croiser votre élastique comme ça, vous êtes sûr d'avoir le pied bien coincé dans la sangle ou dans la serviette. Et si vous n'arrivez pas à tendre votre jambe complètement, vous pliez la jambe qui est au sol. La jambe qui est au sol, qu'elle soit pliée ou tendue, vous devez toujours la garder genou face à la hanche. Ok ? Dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, on tend bien sa jambe et à l'aide de son élastique, le but, ça va être d'étirer un maximum. Allez, soufflez bien, gardez les épaules éloignées des oreilles, tirez votre jambe vers vous, le nombril est aspiré. Allez, petit exercice ici d'étirement et en plus du centre. Inspirez, pliez votre jambe, expirez, retendez votre jambe et cherchez à aspirer votre nombril vers la colonne. C'est comme si j'avais posé ma main sur votre ventre et que j'appuyais très fort. Vous cherchez cette sensation de pression abdominale vers le sol. Inspire, expire. Et les pointes d'omoplates toujours bien ancrées dans le tapis, ça c'est important. Encore inspirez, expirez. Et dernier inspire, expire. Ok, alors, on gardera la jambe tendue ici. On inspire l'autre bras qui ne tient pas l'élastique. Vous allez le placer le long du corps, légèrement en ouverture. Et laissez ouvrir votre hanche sur le côté. Selon votre souplesse, ne cherchez pas à aller trop loin. Sinon, regardez ce qui va se passer. Le bassin ici va se décoller. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que le bassin reste bien ancré dans le tapis. Donc, quand vous sentez que le bassin va se décoller, vous vous arrêtez. D'accord ? Par contre, vous faites pression avec vos abdos pour fixer votre bassin dans le sol. Et vous restez ici. Vous restez juste 3 respirations. Inspirez. Expirez. Et faites pression sur votre ventre vers le sol. Encore inspirez. Expirez. Pression vers le sol. Dernière fois, inspire. Relâche toujours bien les épaules. Expirez. On ramène sa jambe. Hop, dans l'axe. On récupère avec l'autre main son élastique. On inspire, l'autre bras est le long du corps. On expire et là, on laisse la jambe tomber sur le côté. Et puis là, on va vraiment chercher l'étirement pour le coup dans la fesse derrière. Et ça devrait normalement tirer même dans le côté de la cuisse. Si vous n'arrivez pas à trouver cet étirement, on va vous chercher un petit peu l'amplitude. Vous baissez la jambe ou vous la remontez. Et vous essayez de ressentir cet étirement le long de la cuisse,
Le nombril est bien inspiré. Relâche tes épaules. Et inspire. On se grandit. Et on replie. Alors, cette jambe, on la repose. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Allongez bien. Les épaules donc sont bien éloignées des oreilles. On fait attention à ce que, hop, la jambe soit bien dans l'axe de la colonne. Inspirez. Et là, vous récupérez avec vos deux mains l'élastique et vous tirez votre jambe. Vous cherchez donc l'étirement sur toute la chaîne postérieure ici. Les épaules sont bien éloignées de vos oreilles. Et là, regardez, inspire, je plie. Expire, je tends. Et je continue ce travail de pression abdominale. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. Aspirez bien votre ventre. Encore inspirez, pliez. Dernière fois. Expirez, tendez. Gardez les épaules basses, nombril bien aspiré. Et là, cherchez à ouvrir votre bassin, vos hanches. Et rappelez-vous, on garde bien le bassin ancré dans le tapis. Les pointes de vos omoplates, pareil, sont ancrées dans le tapis. Le nombril est aspiré. Et là, j'inspire, j'empêche le ventre de gonfler. Et j'expire. Je presse le ventre vers le sol. Encore pour deux, inspirez. Relâchez bien la tête et la nuque. Expirez. Voilà, aspirez votre nombril. Cherchez vraiment cette pression ici au niveau du ventre. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Et reviens sur l'inspire. Amène ta jambe au centre. Et sur l'expiration, laissez tomber sur le côté la jambe. Soufflez bien. Le nombril est aspiré. Et on va chercher donc l'étirement qui part de la fesse et qui remonte là jusqu'au genou, sur le côté de la cuisse. Vous devez le sentir, si vous ne le sentez pas assez, hop, regardez. Vous cherchez juste peut-être à monter votre jambe et à la fermer un petit peu plus la hanche. Même si vous décollez le bas de la fesse ici, ce n'est pas très grave. Au contraire, vous allez chercher cet étirement et reviens sur l'inspi. Pliez votre jambe. Et là, reposez votre élastique, laissez-vous tomber sur le côté et venez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Alors, à quatre pattes sur le tapis, on va venir chercher l'ouverture de hanche juste dans une position de l'enfant. Ouvrez bien les genoux vers l'extérieur, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras loin devant. Posez le front au sol. Restez dans cette position de respiration. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Replacez les mains à côté de la poitrine. Inspirez. Expirez. Et refermez les jambes. Venez vous placer à quatre pattes. Puis reculez un petit peu les genoux vers l'arrière. Replacez votre poids du corps vers l'avant. Vous êtes de nouveau en position de planche sur les genoux et puis on va venir se placer sur le ventre avec une belle pompe. Alors, vous gardez les mains à côté de la poitrine, vous inspirez, vous relâchez bien le bas du corps. Par contre, le ventre n'est pas relâché. Vous expirez, vous cherchez à décoller votre poitrine du sol, les coudes sont vers l'arrière, les épaules aussi, le regard au sol. Et à l'expiration, on va soit essayer de repousser un tout petit peu plus le sol, histoire de chercher une extension un petit peu plus grande au niveau du dos. Toujours sans crisper les trapèzes et les épaules. Donc les épaules, on les garde bien vers l'arrière. Hein. Et on va hop, tendre ses jambes, tendre ses bras, pardon. Tendre ses bras et chercher l'étirement dans les abdos. Mais gardez les épaules éloignées des oreilles, ne relâchez pas votre centre. Si cette extension au niveau dorsal et lombaire ne vous convient pas, vous restez dans cette petite extension, ok, ce petit cobra, sinon là vous allez sur une plus grande extension, nombril bien rentré. Puis vous inspirez et vous laissez complètement le corps se replacer au sol en contrôlant avec les bras et les abdos. Expirez, repoussez le sol, allez, les épaules sont vers l'arrière et le sommet du crâne, tu le pousses vers le plafond, nombril bien aspiré. Et cherche l'étirement dans les abdos. Là, vous devez
Le sentir, hein, l'étirement des abdos, surtout relâcher bien le bas du corps. Je ne veux surtout pas avoir de jambes qui se lèvent. On relâche bien le bas du corps et inspirez, contrôlez, contrôlez avec les bras, contrôlez avec le centre et reposez avec contrôle votre ventre, votre buste. Inspire, de nouveau, on en fait encore deux. Soufflez, allez, repousse, faites travailler vos bras et en même temps, cherchez l'étirement ici, au niveau des abdos. Soufflez bien. Ombril bien rentré. Inspirez et redescend, contrôle. Et encore inspire. Expirez, repoussez le sol, soufflez bien. Reste ici, nombril, aspirez au maximum vers la colonne. Et inspirez et contrôlez la descente. Parfait tout le monde. Allez, on se repousse du sol, on inspire et sur l'expiration, hop, on pousse les fesses de nouveau vers l'arrière. Comme ceci, et les bras loin devant. Alors, on va garder cette position-là. Mais votre bras gauche, vous allez le placer en dessous de votre bras droit, comme ceci. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à allonger le bras non seulement gauche, droit, pardon, vers l'avant, et le bras gauche sous l'épaule. Et puis on va placer la tête sous l'épaule et chercher à allonger le plus possible son bras pour étirer, donc pas ce côté-là, le côté gauche de votre dos. Soufflez bien et restez dans cette position quelques respirations. Encore inspirez. Expirez. Travaillez toujours avec votre centre, le dernier, inspirez. Expirez. Et puis là, déroulez tout doucement. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Le bras droit du cou, hop, qui passe en dessous. Et on ouvre. Et là, vous voyez, on va chercher l'étirement ici, de toute cette zone-là du dos. Et reste. Le regard est en dessous de l'épaule, la tête est en dessous de l'épaule. Inspirez. Expirez. Encore inspire. Expire. Et dernier inspire. Expirez. Ok, très bien. On déroule tout doucement, on vient se placer dans une planche. Alors, planche, bras tendus. Et pieds largeur de votre tapis. Comme ceci. Allez, on inspire et là, on va pousser les fesses vers le plafond. Les talons, on va les repousser dans le sol. Et quand on expire, on revient vers l'avant. Et là, on décolle la jambe à droite. On ramène le genou vers la poitrine en soufflant. Et on repose. Inspirez, poussez les fesses vers le plafond, entrez la tête entre les bras. Expirez, faites la même chose avec l'autre jambe, la jambe gauche, et ramène, souffle bien, rentre le ventre. Et encore deux fois, inspirez, poussez les fesses vers l'arrière, les talons dans le sol, rentre la tête entre les épaules, cherchez à ouvrir vos épaules. Hein. Expirez, ramène ici, jambe droite vers la poitrine, nombril que tu aspires très fort vers la colonne, et inspire, on tient bon, on pousse les fesses vers l'arrière, expire. Si vous commencez à avoir trop mal dans le bas du dos, restez dans la position du chien tête en bas. Et là, inspirez. Poussez les fesses vers l'arrière. Expirez. Et là, regardez, ramenez la jambe ici, à l'avant. Posez l'autre genou. Les deux mains sont l'une à côté de l'autre, les bras sont tendus. Le regard est au sol, inspirez, expirez, poussez la hanche dans le sol. Et puis cherchez à ouvrir un petit peu votre hanche ici, votre genou sur le côté. Gardez le dos droit, comme si vous étiez encore dans votre planche. Et soufflez bien. Et inspirez, repoussez-vous du sol, tendez la jambe qui était au sol pliée. Et là, replacez dans votre planche. Inspirez. Poussez de nouveau les fesses vers l'arrière, les talons dans le sol, rentrez la tête entre les bras. Expirez et ramenez ici votre genou
de l'autre côté. Et là, hop, vous allez poser la jambe au sol, regard au sol, pousse les hanches vers le sol et cherchez à ouvrir votre hanche sur le côté, le genou sur le côté. Gardez les bras tendus, détendez les épaules, détendez les trapèzes. Soufflez bien. On reste encore une respiration, inspire. Expire. Et revenez dans une planche, inspirez, expirez. Restez dans cette position du chien tête en bas. Trois respirations. Repoussez bien les talons dans le sol. Ouvrez bien la tête. Ouvrez bien les épaules, la tête entre les épaules. Inspirez. Expirez. Cherchez à bien relâcher la tête. Encore inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Et là, reviens en position de gainage. Posez vos genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez les bras, relâchez les bras. On déroule la colonne. Et on vient se replacer en position allongée. Alors, placez ici les jambes en diamant et venez dérouler vertèbre après vertèbre votre colonne, tout doucement, jusqu'à complètement vous allonger et ramène une jambe puis l'autre en chaise renversée. Alors, soit vous pressez vos genoux contre vous et vous laissez la colonne se relâcher en basculant un peu à droite à gauche. La tête, vous la relâchez en la faisant rouler un peu à droite à gauche. On détend toute la zone trapèze nuque cervicale. Si on veut aller un peu plus loin dans la position du happy baby, qu'on manque un peu de souplesse, on ramènera du coup les mains, on les posera au niveau des chevilles et puis les bouts des doigts au niveau des orteils si on peut les attraper. Pareil, la tête, on la relâche bien de chaque côté et on laisse basculer un petit peu à droite, puis un petit peu à gauche. Encore, soufflez bien. Détendez vos épaules. Et on revient ensuite au centre. On replie les jambes. On se laisse tomber sur le côté. On reste dans cette position de l'enfant juste peut-être quelques secondes. Si besoin, regardez le bras qui est au sol, on peut le plier. Et on pose, hop, la tête en guise de coussin ici. On reste quelques secondes dans cette position. On reprend conscience de ses articulations, du poids de son corps. Et tout doucement, on viendra se placer à quatre pattes sur son tapis. Crochetez les pointes de pied ici, décollez vos genoux du sol, placez-vous donc dans la position accroupie, enroulez vos épaules vers l'arrière, enroulez la tête vers les genoux, inspirez, expirez, poussez les fesses vers le plafond jusqu'à tendre vos jambes, et pliez les genoux sur l'inspire, expirez, déroulez vertèbre après vertèbre, votre colonne. Jusqu'à vous replacer, la tête bien droite. On se replace donc les pieds largeur du bassin. Donc c'est très peu ouvert. Et on relâche bien les bras. On laisse les bras complètement s'alourdir vers le tapis, vers le sol. Et la tête, on cherche à la rendre très légère. Le nombril est bien aspiré vers la colonne. On reste juste deux longues respirations, histoire de vraiment détendre tout le corps. On inspire. On expire. Et quand on expire, on relâche toutes les tensions, les dernières tensions qu'on peut trouver dans le corps. Encore inspirer. Expirez. Réouvrez les yeux. Reprenez conscience de votre corps. Réveillez-vous, reprenez conscience avec vos yeux de la lumière
Et merci à vous pour cette séance de yoga stretch et de renfort musculaire, de réveil musculaire. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance et je vous souhaite une très très belle journée à vous. Ciao.